Maman. Oh, mon fils. Je croyais t'avoir perdu, maman. Je pensais ne jamais te revoir. Oh, Billy. La vie est pleine de surprises. Certaines te rendent heureux. Et d'autres te brisent le cœur. Je n'étais pas là quand t'avais besoin de moi. Je t'ai abandonné. Ça m'a fait si mal, Billy. Quand tu es parti, c'est comme si on m'avait arraché le cœur. Mais toutes les blessures sont temporaires, tu sais. Et la plupart sont inévitables. J'ai dû rester en arrière pour que tu puisses partir. Et maintenant, c'est toi qui as des ennuis. Ne t'inquiète pas pour moi. Mes ennuis sont terminés, mon fils. Je ne veux pas y retourner. J'en peux plus. Tu es fort, Billy. Toi et moi sommes des survivants. Nous continuons à nous battre même lorsque nous ne savons pas comment faire. Tu es mon fils. Je vais avoir des jumeaux, maman. Ils ne sont pas encore nés. Je veux les voir. J'aurais voulu que tu les vois. Tu me manques. Nous serons réunis bientôt. Il te reste encore une épreuve à affronter. Huissier! La douce chaleur des rêves éveillés. Volés par les vents glaciales de la réalité. Brise le cœur. Les vieux et les faibles sont condamnés. Attention, Kindler, nous avons moins de 7 secondes. Ok? Préparez-vous. Attention, Max Bombay. Attrapez-le. Anya, maintenant. Vite. Plus que 3 secondes.
On doit envoyer du sang oxygéné vers son cerveau ou il va mourir. Ok. Il est vivant. Répondez-moi, est-ce qu'il est vivant? J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Oh non. 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 Quoi? Activité cérébrale. Oui. Il est vivant. Ouais. Putain de génie, Seth. Je te l'ai déjà dit. Seth. Exhorte. Max a raison. Faut qu'on dégage de là. Il est prêt pour le transport? Oh Gott, er ist tot. Scheiße. Das will ich. Regardez. Regardez. Il est réveillé. Oh, regardez-moi un cosmonaut. Le seul type assez costaud sur cette planète pour survivre à une décapitation. Monsieur Blaskowitz, est-ce que vous m'entendez? Ah, très bien, alors écoutez-moi. Il y a quelque temps, Caroline a mis la main sur un corps de super soldat dernière génération dans un laboratoire scientifique nazi. Un spécimen vraiment très intéressant. Agnès, s'il vous plaît, montrez-lui. Regarde, William. Seth va attacher ça. Ça servira à établir une connexion entre ta tête et ton nouveau corps. Agnès, ma famille. Je ne suis qu'un anticacre, venez vite m'aider. Bon. Voici des équipements de combat nazi extrêmement rares et efficaces que nos soldats ont pu récupérer sur le terrain. Ils ne fonctionnent pas du tout, mais j'ai le matériel nécessaire pour en réparer un. À vous de décider lequel vous voulez. Clignez une fois pour celui-ci, deux fois pour celui du milieu et trois fois pour celui qui se trouve là-bas. Très bien, Yingle. On se met au travail. À présent, je vais vous anesthésier. À bientôt. Monsieur Blaskowitz. Pouvez-vous bouger? Oui, pas de doute. Allez, montrez-nous. Montrez-nous. Je me sens puissant. Vous vous rappelez votre nom? Vous souvenez-vous de vos actions ces deux dernières années? À part découper des nazis? Si tu meurs encore une fois, William, je te jure que je te tue. Je vais te donner de quoi t'habiller. Dites-lui de venir me voir quand vous aurez terminé. Vous avez vu Katzel? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Simpson? Monsieur Blaskowitz! De quoi j'ai l'air? D'un homme neuf, Yingle! D'un homme neuf! Oh, je suis si heureux de vous revoir. Bon, ceci, Shoshana possède la même chose.
Non, 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 non. Ceci connecte votre tête à votre corps. Très, très important. Alors n'y touchez pas. Vous aurez parfois une sensation étrange de picotement. Pas d'affolement, c'est normal. Mais prévenez-moi immédiatement en cas de problème. Si jamais, par exemple, votre tête commence à rejeter le nouveau corps, vous voyez le genre. Moi aussi, Max. Max, allez. Max, allez. Bon. J'ai réparé l'appareil que vous vouliez. Mettez-le. Voyons ce que vous pouvez faire avec. Alors, Shimshon, votre nouveau corps est très puissant. À quel point? Eh bien, le plastron bélier bloquera les jointures de votre torse pour qu'elles ne cèdent pas. Même si... Pour résumer, vous pouvez maintenant tenter de défoncer ce... Oui, monsieur Blastovic, super! À présent, utilisez le terrain d'entraînement jusqu'à ce que vous vous soyez familiarisé avec votre nouvelle capacité. Je te remercie, Caroline. Tu peux reprendre tes ailes maintenant. Je n'en ai plus besoin. Monsieur Blaskowitz, vous savez, c'est incroyable de vous voir ainsi devant moi. Je n'en reviens pas. Votre détention et exécution publique ont été les événements les plus protégés de l'histoire de la télévision, gardés par l'effort de guerre nazie. Faut hisser ce truc! Blaskowitz, mon ami! Quelle glorieuse journée! Bon retour parmi les vivants! Ouais,
bienvenue et tout le bazar, Blasco. J'adorerais te donner une bonne tape amicale dans le dos, mais si on fait tomber ce truc, ça explosera et fera couler ce putain de navire. Ça t'ennuierait de me filer un petit coup de main? Maxence! Non, non, v'là l'idiot. Recule, Max! C'est très dangereux! Ça peut faire un gros boom! En faites vos prières, on est foutus! Il va tous nous tuer! Non, non, non! Maxence! Bordel de merde, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Bien joué, Max! Super! Bon, j'ai pas le temps de verser dans le sentimental, Blasco. On doit finir de réparer ce truc avant d'arriver à la Nouvelle-Orléans. Conseil, retiens ta respiration. Oh! Mein Gott! Das stinkt! Je vais voir si Grace a du boulot pour moi. Mettre ce nouveau corps à l'épreuve. C'est bon de te voir, Grace. Eh ben ça alors. Blazkowicz, t'es un sacré dur à cuire. Tu le sais, ça? C'est quoi tout ça? Toutes les merdes ramenées par Specchi de Roswell. Il a tout rapporté de son centre de contrôle et l'a balancé en vrac. J'ai rien eu le temps d'ouvrir. C'était un mec bien. Je l'ai vu mourir. J'ai rien pu faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ça? C'était quoi ces derniers mots? Faut que je sache. Il a dit... C'était des aliens de l'espace, vieux. Quel con. Hey, Seth! Oh, Yingle! Est-ce que tout fonctionne bien? Bonjour, Grace. C'est à vous? Qu'est-ce que c'est? Oh... Où avez-vous trouvé ça? Specchi avait ça à Roswell. Il m'a dit l'avoir trouvé sur le lieu du crash de Clarence. On dirait, non, c'est impossible. Mais... Oh, oh. Gortenia... Seth. Gortenia, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Grace. Ça y est, Grace. L'assaut a commencé. Il faut que les moteurs tournent à fond. À pleine putain de puissance, ma sœur. Entendu. Je vais leur dire... On se dirige vers le ghetto de la Nouvelle-Orléans. Entre, Blazkowicz, assieds-toi. Ce ghetto était le foyer d'un des derniers groupes de résistance d'Amérique mené par un type appelé Horton. Après la guerre, les nazis ont bâti des murs autour de la ville. Ensuite, ils ont rassemblé tous les indésirables du pays et les ont parqués là-dedans. Et depuis, Horton, ses camarades et tous ces gens se retrouvent coincés là-bas dans des conditions inimaginables. Et après les derniers événements, la pression est montée d'un cran chez les nazis. Des escadrons de la mort quadrillent les villes et tuent tout ce qui bouge. Bordel, ils vont purger la ville jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. On doit faire quelque chose. Absolument. Alors ton nouveau corps est prêt à défourailler du nazi? Plus que jamais. Rien ne peut m'arrêter. Je me sens comme un putain de train de marchandises. T'es un putain de train de marchandises. Bon, avant d'arriver à la Nouvelle-Orléans, tu vas devoir faire un petit détour par Manhattan. À
Alors lis le briefing de la mission. Active la carte là-bas. Et affiche l'écran d'infos concernant Manhattan. Compris. Oh, Blazkowicz, il y a quand même une bonne chose qui est ressortie de ce merdier. Bah bon, quoi donc? Ton exécution a fait le tour du globe. Les nazis pensent que t'es mort. Ils te verront pas venir. Pas de temps, Blazkowicz. Le niveau de radiation est élevé par ici. Moyen d'entrer dans le bunker avant que les radiations te tuent, quoi.
Les nazis gardent leurs renseignements volés dans leur centre de commandement. Tu dois trouver un moyen d'y entrer.